Salut, c'est Steve Alexandre. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous avez été nombreux à me demander quel est le contenu de mon programme Get in Shape. Donc Get in Shape, c'est mon programme de remise en forme et de préparation physique qui s'adresse à tous. Tous les détails de ce programme en commentaire de cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te filmer le coaching qui dure 45 minutes et tu vas pouvoir le faire toi aussi pas à pas avec moi. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube, balance-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et partage cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va maintenant. Ok, parfait. Alors, on y va, on fait l'échauffement avec le balai. Très bien. Bon, ce soir, je ne mets pas de musique, comme ça, je pourrais la rajouter au montage. Il faut juste imaginer. Très bien. Parfait. C'est dans l'autre sens. Très bien, et maintenant avant et arrière. Donc ce soir la séance, ça va être comme lundi dernier, ce sera une séance qui sera plutôt complète. On va travailler aussi bien le haut du corps que le bas du corps, puisque comme on a été pas mal absent ces derniers temps, ça va permettre de se réathlétiser. Ok, parfait. Donc, là. Ok, super. Très bien, on va commencer donc ici avec l'élastique. Donc on rentre dans l'élastique, on va pouvoir rester ici pieds joints. Bien. On va monter l'élastique au niveau des épaules et on va remonter jusqu'en haut, toucher les mains le plus haut possible et on redescend les mains au niveau des épaules et on passe donc devant la tête. Ok, on est parti dans 3, 2, 1, go. Donc on est parti pour 30 secondes. Descend bien les mains le plus bas possible. Et on remonte ici le plus haut possible. On inspire. Et on expire. Très bien, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère. Très bien. Ça va jusqu'ici. Ok, super. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mains jointes, toujours prendre l'élastique, et on va partir de la taille, monter l'élastique jusqu'à hauteur du menton, et redescendre jusqu'à hauteur de la taille, et on remonte le tout sur 30 secondes. 3, 2, 1, on est parti. On expire, encore 10 secondes. Très bien. 3, 2, 1, et on récupère. Parfait. Ok. On va poser l'élastique, on va se mettre au sol en position de planche. Je vais me mettre un petit peu tourné. Allez, position de planche. Pour l'instant, on va se mettre en appui sur les coudes, largeur des épaules, pieds joints. 3, 2,
1, on est parti. On contracte bien les fessiers, les abdominaux. On souffle. Encore 15 secondes. Toucher coude droit, genou gauche et on alterne. On est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Et pendant que j'ai un coude qui touche le genou, l'autre coude touche le sol. Encore 10 secondes. Avec l'élastique, ses joints. Parce que si on part de la taille, on arrive aux épaules et on touche en haut. 3, 2, 1, go. Épaules, on touche en haut. Épaules, on descend. Épaules, on touche en haut. Très bien. Si on se sent bien, on met un petit peu plus de riz. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère. Parfait. Ok. Donc l'exercice suivant. Toujours ici, bras tendus. On prend l'élastique à deux mains. On va monter les mains jusqu'au menton. Et on redescend. On est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, go. Allez, on souffle bien. On reste bien gainé aussi. Pour qu'il n'y ait que les bras qui bougent. Encore 10 secondes. De planche, sauf que cette fois on va écarter les pieds environ 1 mètre ou en tout cas un petit peu plus large que la largeur des épaules. On est parti dans 5 secondes. 3, 2, 1, parti. On essaie de rester stable, bien respirer. Secondes. 3, 2, 1, on est parti.
5 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère. Super. On va pouvoir prendre une minute de récupération. Il est 19h et 30 secondes. Ça va pour tout le monde pour l'instant? Oui. Bien Lorraine. Par contre, j'ai pas vu celui de Patricia. Super. Alors pour le prochain exercice, ce sera l'exercice des pompes. Alors, par contre, on ne le fera que sur 20 secondes. Au lieu de 30. Donc, bras tendus. Ceux qui ont un peu plus de mal, vous faites un appui sur les genoux, chevilles croisées, on descend et on remonte. D'accord? Si vous êtes plus à l'aise, donc main écartement de la largeur des épaules, on descend, on touche le buste et on remonte. On est parti dans 3, 2, 1, go! Allez, sur 20. Allez, on souffle bien quand on remonte. 10 secondes. Donc, pour la première série, on va se mettre donc assis, les jambes à 90 degrés, buste à 90 degrés, on descend, bras tendus, on remonte, on touche les pieds, puis on redescend. D'accord ? Si c'est trop dur, on touche juste les genoux, puis on redescend. On est parti dans 3, 2, 1, go ! On essaie de ne pas mettre d'un coup, monter de façon fluide. On inspire en descendant et on expire en montant. Encore 10 secondes. 3, 2, 1 et on récupère. Très bien. Repartir ici en position de pompe, toujours sur 20 secondes, sauf qu'on va prendre dans une position légèrement plus large. Donc moi tout à l'heure j'avais les mains sur le tapis, donc cette fois je vais les mettre à côté du tapis et pieds joints. On est parti dans 3, 2, 1, go. Donc on va se mettre en appui sur les coudes, on lève les jambes et on redescend. On lève et on redescend. 3, 2, 1, go. On essaie de lever vite et de redescendre plus lentement.
3, 2, 1, et on récupère. Dans 10 secondes pour... Ça va Seb? Je vais prendre ta gorge. On va repartir avec les pompes, avec les mains écartement de la largeur des épaules. Et cette fois, on va écarter les pieds à peu près autant que la largeur des épaules. 3, 2, 1, go! Super, 3, ouais, et Joe,
Les pouces. Ah. Très bien. Ok. On va pouvoir se mettre debout. Et on va passer sur la partie... sur la partie jambe. Ah, ok. Cool. Très bien. Parfait. Alors, pour l'instant, on va échauffer quelques secondes les jambes. On va trottiner tout en engageant les bras. Très bien. Parfait. Talon fesse. Ok, montée de genoux. Talon fesse. Montée de genoux. Ok, très bien. Dans 10 secondes, on va partir en squat. On descend et on remonte tranquille. D'accord ? On est parti dans 3, 2, 1, allez go. On descend, puis on remonte. On essaie de rester bien équilibré. De descendre le plus bas possible. 15 secondes. Très bien. On va prendre notre élastique. On rentre dans l'élastique. On tire dessus. Et on écarte les pieds. Et on descend ici en position de squat. Très bien. Et là, on va faire des petits appuis latéraux. À peu près 3 pas avant de changer de sens. 3, 2, 1, go. Allez, fléchis bien, Patricia, un petit peu plus fléchi. 3, 2, 1. Essaye de garder un peu plus le dos droit et de fléchir un peu plus les jambes. Parce que pour l'instant, tu as les jambes qui sont droites et ton buste qui est penché. D'accord ? Oh. Ah oui. Alors, on va se mettre en position de planche à nouveau. Donc, si possible, bras tendus. On lève la jambe droite tendue, 1, 2, 3, puis on redescend. Jambe gauche, 1, 2, 3, puis on redescend. On est parti dans 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, on change. 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 3, on change. 1, 2, 3, on change. 1, 2, 3, on change. 1, 2, 3, 3, 2, 1, et on récupère. Allez, parfait. Alors. Vous allez faire, vous allez prendre votre bouteille si vous en avez une, ou un coussin, peu importe. Vous allez mettre ici en appui
coudes sur les coudes, montez au-dessus de la bouteille, passez d'un côté puis de l'autre sans que les tout pieds touchent le sol. 3, 2, 1, go. Squat, 3, 2, 1, on est parti. Alors redresse ton buste, Seb, tu gardes le dos droit, voilà, c'est mieux. Et 21 minutes, on prend une minute de récupération.
sur le prochain exercice. J'ai cru que c'était figé en fait. C'est juste que vous bougez plus. Donc, j'ai cru que ça allait pouvoir partir. Pieds joints, fente, pieds joints, fente de l'autre côté. Donc, une fois vous ferez une fente avant, une autre fois vous ferez une fente arrière. On reste bien équilibré. On va garder les mains au niveau des hanches. 3, 2, 1, go. On essaie de rester le plus équilibré possible. Seulement une fois chaque exercice, ce qui fait que là il nous en reste plus que deux. Après on passera aux étirements. Donc on va se mettre en position pour ceux qui peuvent. Si pas de ça, ça fait un peu trop mal. Pareil pour Laetitia, ne le faites pas. Donc position de fente, main sur les hanches et on maintient la position 15 secondes sur la jambe droite, puis 15 secondes sur la jambe gauche. 3, 2, 1, go. Lorraine, c'est mieux. Garde bien la tête droite. 3, 2, 1. On change de jambe. Allez, plus de 10 secondes. Allez, Lorraine, on tient. 5 secondes. 3, 2, 1. Et on récupère. Très bien. Parfait. Alors, dernier exercice. Donc, on va reprendre notre tapis. Donc, on va se mettre en position de planche latérale. On va faire 20 secondes côté droit. 20 secondes côté gauche. Donc si vous sentez à l'aise, vous mettez les pieds joints, sinon vous mettez un pied devant l'autre. On est parti dans 3, 2, 1, go. Très bien. Parfait. Super. On change de côté.
compliqué pour toi, Lauren. On est quasiment terminé. Presque au bout. Pour 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Cool. Bravo. Super. On va prendre le bras droit. Très bien. On change de bras. Je sais pas ce que tu fais, Seb, mais... Ok. Bras, le coude au-dessus de la tête. On change de bras. Ok, on va d'abord commencer par les fessiers. Donc on va mettre la jambe par-dessus, la jambe gauche, avec mon coude gauche, je vais tirer sur ma jambe. Ok, et le dernier, donc jambe gauche tendue, on ramène le pied droit au niveau de notre fesse droite, on se penche en arrière. Donc on se met à manger, on pousse sur les bras, on essaie de redescendre le ventre et on garde au plafond.